Nali sekelele. Nali shani. Mwenye pumu za msifu Bwana. Shangilia Mungu wako. Haleluya. Chaque fois que les gens sont en train de se faire,
Yoku jina nga wiki shiki. Amabiyoku jina nga wikabasa. Amabiyoku jina nga wiki shiki. Amabiyoku jina nga wikabasa. Alu, cheza. Kele kele ndani ya Yesu. Hallelujah. Tote tote. Tote tote. Acclamer encore très fort. Quelqu'un peut acclamer encore très fort. Amen. Amen.
Chorale, que Dieu vous bénisse. Nous nous dansons qui. Et nous lui devons la gloire. Et nous lui devons l'honneur. C'est pourquoi quand il s'agit de danser pour Dieu, même les chefs coutumiers s'inclinent. Alléluia. Amen. Même le roi, il s'incline. Il doit adorer Dieu. Même ceux-là qui se disent des athées, ils se disent ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'existe pas. En leur fin fond, à leur intérieur, ils savent que Dieu existe. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous voulons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Il n'y a point d'autre. Hakuna mwingine. Il n'y a que Jésus. Kuna la Bible Yesu est en train de dire ceci. La Bible la c'est hivi. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il n'a quoi au-dessus des rois. Il n'a quoi au-dessus des présidents. Au-dessus de tous les souverains. Afin que au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Nous devons fléchir devant Dieu. Quel que soit notre standing, quel que soit nos grades, quel que soit nos capacités, quel que soit notre intelligence, Dieu reste Dieu devant tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que l'orchestre peut s'approcher? Pendant que l'orchestre s'approche, nous les encourageons aussi. Est-ce qu'on peut les encourager correctement? Okay. Oh,
Yeah.
J'aimerais qu'on acclame encore très fort. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que dans cette salle il y a des mamans? Est-ce qu'une maman peut pousser des cris de joie? À l'honneur de Jésus, nous sommes en train d'acclamer Jésus. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Synode Caribou. Synode approché. Amina, amina, amen. Alléluia.
Amina. 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 Amen. Alléluia. Follow, follow, follow. Amina. Amina. Acabuera, mumba cumbie, pimbe acabuera, 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 Jesu, acabuera, acabuera, pimbe acabuera, 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 Jesu, acabuera, 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 acabuera. Est-ce qu'on peut acclamer ces notes? Tu as besoin de chanter les messieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le secrétariat pour le communiquer. Pendant que papa est en train de s'approcher, nous l'encourageons aussi par des acclamations. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dimanche et nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus. Peut-être qu'en semaine, vous avez été là au culte. C'est dimanche, vous êtes là, nous voulons vous accueillir. Si vous êtes là, veuillez vous manifester en vous tenant debout. Il n'y aura pas de cérémonie à faire, nous voulons tout simplement vous dire bonjour. Est-ce qu'il y a un homme, il y a un papa qui est là? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons notre Seigneur Dieu. Il y en a encore. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à la cité évangélique montagne du Carmel. Cette cité, elle est dirigée par le révérend pasteur, papa Élisée Nzinga Kisongo. D'un moment à l'autre, vous allez le découvrir. On vient de vous remettre un dépliant qui reprend le programme normal de nos cultes. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Papa, qui est papa l'évangéliste? Papa Guillaume. Il est là. Richard. Papa Richard. Qui est là? Oui, il aura un court entretien avec vous. D'ores et déjà, nous vous lançons une invitation. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous présentons la nôtre. Pendant que vous regagnez les places, nous acclamons notre Seigneur. Oui, ce matin, nous sommes encore à l'honneur. Il y a une visiteuse de marque. Nous appelons l'enfant Azama Charlier Kafunda. Qui sera accompagné par sa chère maman Dina Mwangal. On vient de nous signaler que son cher papa Fabrice Kafunda ce matin il est empêché. Pendant que maman Dina s'avance, nous acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur Dieu. Oui,
il n'est pas dit dans la Bible qu'on pouvait baptiser les tout petits enfants. Alors ce matin, nous allons présenter devant la face de Dieu l'enfant Azama Charlie Kafunda. Sans plus tarder, inclinons nos têtes dans la prière. Prions. Cet enfant entre tes mains. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Cet enfant est une bénédiction que tu amènes dans cette famille. Ouvre les portes, Père, qu'il ne puisse jamais manquer de rien par rapport à cette bénédiction que tu ajoutes. Que cet enfant grandisse en stature et en âge selon ta volonté. À chaque difficulté ou à chaque obstacle qui s'élève, que cet obstacle se transforme en une opportunité par laquelle nous allons confesser ta gloire et annoncer tes hauts faits dans cette maison. Seigneur, pourvois à toutes choses, qu'il ne manque de rien. Et ce matin, je vais détruire l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre du malin dans la vie de cet enfant. Papa Élisée Nzinga, parce que ça n'a pas été facile, mais avec le Dieu de la montagne du Carmel, je suis sortie victorieuse avec ma fille. Parce que je me rappelle, il y a de cela 5 ans que je n'arrivais pas à avoir des enfants. Diaka, mais selon la médecine, j'étais venue, j'ai vu papa, j'avais tout dit à papa. Papa m'a dit, bon, tombe mon. Mais moi, je vois que avant mai 2020, mon effectivement, au mois d'avril, j'étais tombée enceinte. Et cette fois-ci, quand je suis rentrée à l'hôpital avec l'enfant, pourquoi m'invita de gauche à droite? J'étais tout le temps au pied de notre papa, au pied des serviteurs qui m'ont assisté. Et le jour que j'ai eu ma fille, mon médecin me dit...
Est-ce qu'on peut acclamer encore? Dieu se présente devant Moïse et lui dit d'aller parler à Pharaon. Moïse pose la question à Dieu en disant, lorsque je serai devant Pharaon, je lui dirai que qui m'a envoyé. La Bible est en train de dire ceci.